Donc, en fait, je veux faire une série de cours qui est un peu basée sur des travaux que j'ai menés avec, dans un premier temps, avec Carlos Kenning. Donc, Université de Chicago. Et Thomas. Dans un deuxième temps, ça sera des travaux avec aussi Carlos Kenning, et avec Thomas Ducahertz. Donc, qui était avant à Cergy et qui est maintenant à l'université Paris-Nord. Paris-Nord. Voilà. Alors, notre objectif, initialement, c'était de trouver une situation, donc objectif général. Ah, je vais. Donc, vous pouvez tout à fait interagir pendant le cours et ne pas hésiter, si je vais trop vite ou pas, de m'arrêter ou de reprendre des choses. Aussi, mon cours est basé en grande partie sur une autre série de lectures qui ont été données par Carlos. Et en fait, il a écrit un, il a fait une photocopie de ses notes. Donc, en fait, si vous voulez vous revoir après des détails de démonstration peut-être que je vais pas donner complètement dans les grands, je vais juste donner en grandes lignes, mais pas préciser, peut-être pas les calculs exacts, exacts. Donc, vous pouvez trouver ces notes de cours qui sont en anglais d'ailleurs. Donc, je donne mon cours en français, mais les notes de cours sont en anglais. Voilà. Donc, ici, in English, or in American, in fact. So, you find them. On this website. Voilà. C'est en effet des travaux qu'on a conclus il y a à peu près 2 ans. Voilà. Et donc, ce serait. Alors, objectif, c'était de trouver une situation. C'est-à-dire une équation non linéaire, essentiellement une équation non linéaire dans un cadre non intégrable, donc, dans un cadre non intégrable. Disons pour une donnée initiale arbitraire, alors dans un certain espace, bien sûr, puis U0 arbitraire, dans un espace ad hoc, adapté. En particulier pour des grandes données initiales, on peut prédire, enfin pas prédire, excusez-moi, expliciter le comportement asymptotique de la solution. Alors pour une solution globale, donc faisons par exemple, pour une solution globale
le comportement quand t est envers plus infini. Alors, et ceci dans un cadre hamiltonien, pas dans un cadre dissipatif. Voilà, donc c'est ce principe-là qu'on essaye de trouver. Oui. Le cadre dissipatif, l'énergie décroît, c'est ça ? Le cadre dissipatif, oui, l'énergie décroît, c'est parabolique, et donc ce cadre-là a été déjà pas mal abordé dans les travaux paraboliques et géométriques. Hein, donc, où, en fait, l'analogue des résultats que je vais vous donner a été fait aussi dans certains cas, disons. Alors, je vais donc, quand on veut expliciter un comportement, il faut avoir en particulier des solutions explicites que je vais appeler solitons, en fait. Donc, mais c'est une sorte de terme un peu vague, voilà. Le but, ça va être de dire essentiellement trouver une condition où on peut dire que la solution se comporte comme une somme découplée de solitons plus une solution de l'équation linéaire, donc des effets localisés. Des effets localisés non linéaires, plus essentiellement une solution linéaire qui s'étale quand t est envers l'infini. Voilà, alors voilà, c'est le but. Alors bon, ce problème, c'est pas un problème neuf, et donc rapidement, on s'est aperçu que le fait que le nombre de solitons devait être contrôlé était un problème. Et en particulier, il y avait un cadre plus simple qui était un cadre critique où le nombre de solitons était naturellement contrôlé. Donc cadre critique. Alors je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Donc c'est la première chose, donc c'était un peu pour le guess de l'équation qu'on pouvait aborder. Alors j'ai oublié de préciser, mais je le préciserai au cours de mon cours. Ce résultat, en fait, a été démontré dans un certain sens dans le cas intégrable. Typiquement, c'est l'équation de KdV pour P égale 2. Hein. Donc, je reviens un peu. Donc, ce résultat a été même pas complètement, mais en grande partie abordé dans un cadre intégrable. J'y reviendrai au cours de ma... pour l'équation de KdV classique, x appartenant à R. Voilà. Alors, le cadre critique, je vais expliquer ce que ça veut dire critique. Donc, ça va être en fait un cadre où l'équation, on aura une invariance de scaling qui est reliée à une loi de conservation. Donc, l'équation a une invariance de scaling, ou d'échelle en français, reliée à une loi de conservation dans l'espace où on résout l'équation. Et en fait, on avait aussi besoin de comprendre des interactions non linéaires
pour donner grande, et en quelque sorte, le cadre qui nous a semblé le plus simple était l'équation des ondes. Alors, c'est pour ça que j'introduis donc l'équation sur laquelle je vais travailler au cours de mon exposé. Le principe, c'est de comprendre les outils qui vont faire qu'on peut résoudre ce genre de problème en dehors du cadre non intégrable. Hein? Donc, voilà, le prototype de l'équation, c'est l'équation des ondes dans tout l'espace et en dimension 3. Voilà, x en dimension 3. Et le cadre critique pour ceci, c'est la non-linéarité U5. Voilà. Donc, donnée initiale pour l'équation des ondes, c'est en t égale 0, c'est U et UT de 0. Voilà. Et comme je veux travailler dans l'espace d'énergie, je prends l'énergie pour l'équation linéaire. La loi de conservation, c'est donc l'espace sur lequel je vais travailler. Donc l'énergie pour l'équation linéaire, je vous rappelle que pour l'équation des ondes linéaires, cette quantité est conservée, EL. Donc si je résous cette équation sans ce terme non linéaire, cette quantité est conservée pour l'équation. Alors, voilà. Donc, je vais travailler dans cet espace-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire U de T, je le mesure dans H1 point. C'est-à-dire, je ne regarde pas la norme L2. Je regarde juste la norme du gradient L2. Alors, je vais prendre la norme au carré. Donc, la norme de mon espace H point croix L2 au carré. C'est la norme de la donnée U dans H1 point, celle-ci, plus la norme de UT, la dérivée en temps, dans L2, au carré. Voilà. Alors, pourquoi maintenant le terme non linéaire fait que cette équation non linéaire est critique? C'est la chose suivante. Je vais aller là-dessus. C'est que l'énergie non linéaire que je noterai tout simplement E de T, qui est conservée formellement pour l'équation non linéaire, c'est celle-ci. Donc c'est l'intégrale de UT carré. Alors ça va donc le terme non linéaire qui va intervenir, c'est la norme L6. Donc ça c'est un demi de tout ça. Alors, moins ou plus ou moins la norme puissance 6. Alors, dépendant du signe ici. Alors, en particulier, je vais distinguer tout de suite les deux cas, mais le premier cas, si le signe est plus dans l'énergie, donc si l'énergie c'est plus, je vais mettre ça comme ça, moins un sixième de plus, c'est ce qu'on appelle un problème défocalisant. Et l'énergie en quelque sorte est coercive, hein, c'est qu'une somme de termes positifs. Et si le signe est moins, on a une compétition entre deux termes. Donc une partie positive, qui est l'énergie de l'équation linéaire, moins un sixième de l'équation, du terme non linéaire. Et ça, c'est une équation focalisante. Alors ceci correspond à l'équation. Le premier cas correspond à cette équation-là. Donc là, c'est le moins dans l'équation. Et le signe plus ici correspond à l'équation focalisante. Alors,
le fait qu'on va travailler sur un problème critique va rajouter des problèmes qui vont être en fait utiles à résoudre notre problème initial. Donc on rajoute des difficultés, mais à la fin on va gagner beaucoup. C'est-à-dire qu'on va démontrer ce qui n'était pas, a priori, ce qui n'est pas du tout évident par aucun argument simple, que toute solution définie globalement est bornée dans l'espace critique. A priori, dans le cas focalisant, il n'y a aucun argument simple qui peut dire que si on a une solution qui existe globalement, alors la solution reste bornée. Elle pourrait être pas bornée sur des séquences de temps qui tendent vers l'infini et toujours être définie. En fait, il n'y a pas d'argument simple qui permet d'exclure ce cas-là. Ce n'est juste qu'un corollaire de notre démonstration. Alors, maintenant, le fait qu'on donc en particulier, le fait d'être borné impliquera de façon indirecte que le nombre de solitons qui interviennent est borné. Sinon, sans ce théorème, on n'aurait pas le fait que le nombre de solitons qui apparaît dans l'équation pour une séquence de temps reste borné. Donc voilà. Donc en fait, c'était un pari initial qui s'est avéré payant, mais a priori. Donc voilà. Donc le fait que ça va être critique rajoute des problèmes, et finalement, c'est dans la nature du problème et de la question. Donc en fait, ça a l'air d'être dans le bon cadre pour étudier ce genre d'équations et problèmes. Alors. Donc, les cadres critiques l'espace sur lequel je vais travailler pour résoudre mon équation, c'est donc l'espace E, enfin B, qui est H croix pour la donnée. H point et L2 pour la dérivée en temps. Alors, les cadres critiques ont été utilisés dans les EDP d'abord dans les problèmes géométriques. Équation elliptique non linéaire. Et on va voir d'ailleurs que même en fait pour certains derniers travaux, on est amené à se poser des questions sur ces problèmes elliptiques associés, le problème elliptique associé, qui est le problème relié au problème de Yamabe, U5, R3. Voilà. Donc c'est un problème critique dans H point. Voilà. Et donc ce problème va être... alors qu'est-ce qu'on va utiliser sur ce problème? C'est la chose suivante. Donc il existe beaucoup de solutions de cette équation. Par contre, il y a un cadre net et clair où il n'existe qu'une famille de solutions. Si on prend U... solution de cette équation-là avec U égale U de module de X, ça veut dire U radial, alors essentiellement il n'y a qu'une solution, enfin il y a 0 et toutes les solutions de cette équation sont
0, plus ou moins, W lambda de x, ou W lambda, c'est lambda puissance 1/2 W de lambda de x, avec W de x, c'est 3 puissance 1/2. Voilà. Par contre, si vous êtes dans le cadre non radial, en particulier, vous avez d'autres solutions qui nous posent beaucoup de problèmes, en fait. Pour étendre ce résultat, on aurait besoin de comprendre l'ensemble des solutions dans le cadre non radial de cette équation. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire critique ? Je vais tout de suite l'écrire explicitement. Mais c'est le même principe que là. Si U de T est solution de cette équation, U de T et de X est solution de cette équation, alors voilà le problème, il est relié, enfin c'est le problème et l'avantage en même temps, parce qu'on va utiliser cette propriété qui a priori est négative, on va l'utiliser de façon positive. C'est que si U de T et de X est solution de cette équation, on peut en construire d'autres. C'est lambda puissance 1/2 U de lambda T lambda X et aussi solution. Pour tout lambda, quel que soit lambda positif. Enfin, on peut mettre plus ou moins devant. Ça pose pas de problème. Et en fait, si on calcule l'énergie, et ça, on se ramène à la criticité de l'équation elliptique, et donc l'énergie reliée, je vais appeler ça U lambda de T et de X, bon, je peux faire le calcul, en fait, je vais juste le faire pour AT égale 0, ça donne donc U lambda, c'est quand je fais le gradient, je sors, j'ai un 3/2, je l'élève au carré, et pour U de T, j'ai le même principe, donc c'est U1, enfin U1 c'est la donnée initiale en 0, de lambda de x, dx, lambda 3, ok, et là par changement de variable, donc j'ai 1/2 de tout ça, moins le terme puissance 6, mais en fait le terme puissance 6, c'est quand vous élevez lambda puissance 3/2, je obtiendrai un lambda 3, bon je vais l'écrire, je ne vais pas sauter les étapes, donc c'est U6, U0, 6 de lambda dx, lambda puissance 3. Et donc, quand on fait le changement de variable y égale lambda x, on retombe sur alors, comme l'énergie est conservée, le calcul que je fais en t égale 0 suffit, hein, c'est égal, donc, après changement de variable, à 1/2 de gradient de U0 carré plus U1 carré moins 1 sixième de U0 puissance 6, enfin si vous voulez dy, dy, 0 de y. Voilà. Et donc ça ceci c'est aussi E de U0 U1 qui est égal à E de U de T et de X. Donc l'énergie est invariante par ce changement d'échelle. Alors qu'est-ce que. Alors maintenant, si on revient à la théorie
des équations différentielles, ce n'est pas bon. Alors pourquoi ? Donc c'est pour ça que c'est, quand on travaille sur les équations critiques, on s'écarte de la théorie des équations différentielles. Qu'est-ce qu'on dit pour la théorie des équations différentielles ? Ce que l'on dit, c'est que pour toute solution bornée inférieure à A, je peux trouver un temps d'existence indépendant de la solution codépendant de A sur un intervalle de temps 0, T0 ou T0 qui dépend de A. Hein. Donc poser les EDO, Y' égale F de Y, F de 0 égale Y0, norme B inférieure à A, ça donne, il existe T0 dépendant de A uniquement, strictement positif, tel que je peux définir une solution sur 0 T0 de mon équation. Alors là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que lambda est un paramètre libre. Donc supposez que vous résolvez une équation non linéaire qui explose en temps fini. Si le temps d'explosion de U de T est 1, le temps d'explosion pour cette solution sera donc 1 sur lambda. Et comme 1 sur lambda varie entre 0 et plus infini, ceci n'est pas... Donc ça, c'est le défaut, mais qui va se révéler un avantage de cette équation. C'est qu'on s'écarte de la théorie des EDO. Mais c'est pas grave. Donc il y a des choses qui sont qu'on dit en général quand on résout des équations dérivées partielles qui sont fausses. La chose la plus simple et la plus essentielle, c'est la chose suivante. Donc je m'écarte encore plus, c'est-à-dire qu'on pour cette équation, il existera des solutions. Alors je vais en prendre une. Il existe U0, U1, telle que la solution explosera en temps fini, mais restera bornée dans l'espace. Donc le fait d'être bornée dans l'espace n'exclut pas l'explosion en temps fini. Alors que dans ces cas-là, l'explosion en temps fini sera très particulière. C'est ce qu'on appellera une explosion de type géométrique. C'est qu'il y aura une bulle qui se formera. Mais tout ça, il faudra le démontrer, bien sûr. Mais en fait... Voilà, donc là on s'écarte réellement du principe des équations différentielles ordinaires et on rentre dans un monde un peu différent, mais qui en fait aura des propriétés reliées à notre problème qui feront qu'on aura par exemple la bornitude par d'autres raisons. C'est-à-dire une solution globale, ben, je pourrais dire qu'elle est bornée. C'est pour ça que je dis ceci est hautement non trivial. Donc il existera U0, U1 qui explose en temps fini. Tel que U de T, H1 croix L2, est inférieur à une constante. Par contre, c'est pour ça que je vous dis... le challenge, si vous avez une solution globale, elle est bornée. Si U de T, on démontrera un corollaire du résultat principal, mais qui est dans la démonstration, enfin qui est une des parties essentielles de la démonstration, si U de T est une solution définie globalement, alors il existera M0 tel que ceci est fait. Voilà. Enfin, rien n'est contradictoire. Hein. J'ai juste dit si c'est défini globalement, c'est-à-dire pour T positif, alors c'est borné. J'ai pas dit que si c'est borné, c'est défini globalement. Attention. C'est quoi ta définition de être défini globalement ?
Alors, je vais le dire, c'est-à-dire qu'on peut résoudre l'équation dans les espaces, en espace-temps, ad hoc, que je vais introduire pratique dans maintenant. Voilà. Alors, donc, mais c'est important de savoir qu'on peut exploser en formant une bulle, et donc l'espace dans lequel on va résoudre l'équation est un espace relié à l'espace-temps. Donc, en fait, j'aurais bien qu'une certaine norme, si il y a explosion, une certaine norme explose, mais ça ne sera pas une norme reliée à T uniquement. Ça sera relié à une autre norme qui est définie en espace-temps. Donc, quand vous avez compris ce défaut dans la norme énergétique, vous comprenez qu'il faut introduire une nouvelle norme et ça a été fait en fait c'est dans les années 80 90 sur l'impulsion de gens d'analyse harmonique et ça s'appelle les identités de Strickartz. Alors, comme ce n'est pas l'objectif de mon cours, je vais juste vous donner les résultats essentiels, mais je ne vais pas les démontrer. Hein. Donc, je vais supposer ceci comme admis, parce que c'est toute une théorie qui est liée à définir des solutions localement en temps, et pas regarder le comportement asymptotique. Hein. Donc, je vais vous donner la boîte à outils. Donc, on résout... je vais quand même vous écrire juste les identités clés. Donc, le principe, c'est de résoudre l'équation par méthode d'itération, dite de Picard. Alors, on peut commencer par pour T appartenant à R, pour petite donnée. Alors, W en 0 égale W0, W dérivé en temps, WT de 0 égale W1. Alors, maintenant, on va juste utiliser H, ça va être notre terme non linéaire. Mais je veux le supposer comme donné. Donc, on va faire par itération de Picard. Et en fait, si H était donné, vous avez des formules explicites pour l'équation des ondes en dimension 3. Je ne vais pas vous les rappeler, je vous les écris juste sous forme condensée. Ça n'a pas tellement d'intérêt. De mon point de vue pour mon cours, bien que j'en utiliserai t moins t prime h de t prime pt prime, voilà. Ce que je contracterai tout simplement par S de T, la solution linéaire appliquée en W0, W1, plus D de T appliquée H de T. Alors, donc, les fameuses identités de Strickartz, qui vont être l'équivalent
pour ce problème elliptique des identités de Sobolev seront les suivantes. Sup pour T appartenant à R. Voilà. Donc je vais faire la norme L8, ça c'est l'espace essentiel, en espace-temps. D'accord. Donc c'est la norme qui va en fait être infinie quand on ne saura plus définir, mais c'est une norme, c'est pas une norme ponctuelle en temps. C'est pas une trace, c'est juste une norme en espace-temps. Alors, plus la norme. Alors, je crois que c'est un tiers. Je mettrai un demi pourtant. Bon, je me souviens plus de cette partie-là. Je vais la laisser. Soit 2, soit 3. Mais de toute façon, ça n'a pas d'utilité pour mon cours. 1 est inférieur à la norme des données initiales dans l'espace d'énergie. Je le précisais. Donc W0 H.1 plus la norme W1 L2 plus la norme espace-temps du terme de forcing, si vous voulez, Tx. Voilà. Et ceci me permet de résoudre. Donc, maintenant, si je remplace H par U5, je peux faire une théorie de petites données, déjà. Donc dans le cadre critique, donc dans le cadre critique, donc si je remplace H par plus ou moins U5. On peut faire une théorie petite donnée, c'est-à-dire on peut trouver des solutions globales en temps pour cette équation. Et on a le. Je vais juste vous. Donc il y a un premier. C'est plutôt une proposition. Donc, si vous avez... Alors, je vais définir la S par L8. Alors, je vais préciser ça. Si la norme de l'équation L8 de la solution linéaire est petite. Alors ceci est vrai de facto. Donc vous pouvez remarquer, c'est si je fais h égale 0, j'obtiens que ceci est petit si la norme énergétique de la donnée initiale pour l'équation linéaire est petite. Hein. Donc ceci sera vrai en particulier si U0 H.1 plus U1 L2 est petit. Alors, il existera une solution unique dans L8 définie globalement quel que soit T appartenant à R. Alors, de l'équation non linéaire, hein, que je vais noter...
NLW plus ou moins. Telle que la norme L8 de la solution non linéaire, bon, elle n'aura pas tellement augmenté, hein, donc ça sera de même taille. Et la norme H1 reste aussi petite. Voilà. Donc on a une des théorèmes d'existence globale pour données petites. Voilà. Et de plus, on a bien de plus. Dans l'espace où on travaille, on a bien continuité par rapport aux données initiales. Alors, je vais dans le futur. Je noterai la norme S dans I par la norme L8 X appartenant à R3 et T appartenant à I pour I un intervalle de R hein, contenant 0. Voilà. Alors, on a mieux, donc il existe une solution globale, et en plus, le comportement de cette solution est sans surprise, c'est la solution linéaire. Et donc, ce qu'on appelle scattering, donc ceci, ça c'est la première propriété, et la deuxième propriété, et la deuxième propriété, c'est que il existe de nouvelles données initiales, que je vais noter U0 plus et moins, qui dépendent de T égale plus infini et T égale moins l'infini, U1 plus et moins, appartenant à l'espace d'énergie, tel que la solution non linéaire moins la solution linéaire, partant de cette nouvelle donnée initiale, dans l'espace d'énergie, tend vers 0 quand T tend, alors, plus et moins l'infini. Voilà, et ceci on appelle scattering, c'est-à-dire que le comportement en plus infini de la solution colle avec celui d'une solution linéaire. Alors, c'est essentiellement ce qu'on n'est pas intéressé. Nous, on est intéressé par autre chose. Mais c'est un bon début. Voilà. Alors, maintenant, on peut maintenant, quelle que soit la taille de la donnée initiale, il y a une autre proposition. Donc, quelle que soit, maintenant on prend U0, U1 appartenant de grande taille, si vous voulez. On peut définir une solution maximale. Oui. Pour le résultat précédent, c'est vrai indépendamment de toute hypothèse sur H. Ah non, H égale plus ou moins U5. Hein. Plus ou moins U5. Non, sinon, parce que sinon, ça serait pas de sens. Hein. Donc, on peut tripatouiller les faits non linéaires pour qu'ils soient de plus en plus forts. Hein. Alors, maintenant, si je prends maintenant non plus de petites données, mais de données quelconques, je peux toujours définir une solution U de T, solution dans l'espace d'énergie, et en fait
Et U2T localement en temps appartiendra à S de I, un certain I. Et maintenant, j'aurai la chose suivante. Je peux définir un temps d'existence maximal que je vais noter T moins T plus, où chaque T contenant 0. Hein, donc ces éléments sont strictement positifs et strictement négatifs. Tel que la solution est maximale, hein, donc je ne pourrais pas étendre plus loin. Alors maintenant, si T plus est fini, je dirais qu'il y a explosion en temps fini en français. Et vous verrez qu'il y aura des exemples où le... Et dans ce cas-là, la norme... donc, je vais tout de suite l'écrire L8, donc pour X appartenant à R3 et T appartenant à 0, T+, est égale à plus infini. Par contre, cette norme espace-temps est égale à plus infini. Mais ça ne se traduit pas, ça ne se traduit pas. Donc ça paraît des difficultés supplémentaires, en fait. Hein. Vous voyez bien que travailler dans un espace critique, ça implique le fait qu'on doit travailler, que le temps joue un rôle similaire à celui de l'espace. Et ça n'implique pas que la norme de la trace dans l'espace d'énergie explose. Hein. Il y aura des exemples où la norme est bornée et où on a bien explosé en temps fini. Voilà. Par contre, et de même pour les temps négatifs, hein, je vais toujours me concentrer juste sur d'un côté, hein, je ne vais pas travailler. Voilà. Et par contre, je vais peut-être changer de tableau de ce côté-là. Alors, si je vais trop vite ou trop lentement, vous pouvez me dire. Le premier cours, je dois aller assez vite pour ne pas m'attarder sur des théories qui sont déjà, entre guillemets, connues. Mais j'essaye de rappeler l'essentiel de ces théories. Alors, par contre, ce que je voulais dire, si T plus égale plus infini et la norme est bornée, dans L8, donc pour X appartenant à R3 et T appartenant à 0 plus infini, donc est fini. Hein, typiquement, on va travailler toujours à norme infinie. C'est parce que ce cas-là est éliminé par cette théorie reliée à Strickhartz. Alors, automatiquement, U scat à l'infini. C'est-à-dire qu'on retrouve le résultat des petites données. C'est-à-dire qu'on n'est pas petites données, mais il existera bien une donnée initiale telle que la solution moins la solution linéaire tendra vers zéro dans l'espace d'énergie. Hein. Et donc là, U est un comportement linéaire en T égale plus infini. Donc, tout notre travail va être de comprendre l'autre cas, c'est-à-dire comprendre les solutions telles que la norme L8. Alors, je vais toujours préciser, mais après je préciserai plus, X appartenant à R3, T appartenant à 0 plus infini, T égale à plus infini. Voilà, ça va être notre travail, de comprendre ce comportement-là. Si vous voulez, on a défini par la théorie critique des objets abstraits
Maintenant, en fait, on va essayer de clarifier. Alors ça, c'est le comportement sans surprise, et on va essayer de clarifier les comportements qu'on a créés. Et c'est ceci qui va être le challenge. Donc, on a déplacé les questions de comportement asymptotique spécifiquement dans ces cas-là. Donc, on va tout de suite voir, là, c'est ce qu'on appelle des comportements non linéaires à l'infini, et on va essayer de les classifier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je vais tout de suite écrire une série d'exemples de comportements. Alors, cas défocalisant. Bon, ben, en fait, ce cadre-là est sans surprise, en quelque sorte. C'est qu'il n'y a pas d'objet non linéaire, a priori, à se mettre sous les dents. Et en fait, il y a toute une théorie qui a été faite pour démontrer que, en fait, le cadre de petites données s'étend à grandes données. Non. Donc, quelle que soit la donnée initiale, U0, c'est-à-dire quelle que soit la taille, grande donnée, le cadre de petites données, il existe. Donc, U0 plus, U1 plus, dans l'espace d'énergie, tel que, alors U de T est d'abord défini globalement, hein, et 2, U de T, mais en fait c'est démontré en même temps. En fait ce n'est pas une des démonstrations, en fait toutes les démonstrations, là on rentre dans l'ère du qualitatif, pas du quantitatif, c'est, on explicite le comportement en force brute, et donc en fait le comportement à expliciter en force brute c'est celui-là. C'est en fait, on démontre que ça se scatte. Moins la solution linéaire qui part de U0 plus U1 plus, tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Hein. Alors, ça, c'est les résultats. Donc, dans le cadre radial de Bourguin et dans le cadre non radial, excusez-moi, je veux parler de l'équation des ondes. Il y a en fait un petit micmac. Donc, excusez-moi, pour l'équation des ondes, c'est Grylakis qui démontre l'existence globale. Et le scattering Bauri-Chatta. Voilà. Voilà. Dans le cadre focalisant, on a de nouveaux comportements. Alors, c'est important d'avoir le maximum de comportements possibles. Et en fait, il y en a très peu. Il y a le premier comportement qui correspond à l'équation. Ah, je vais réécrire l'équation dans le cas focalisant. Donc, c'est UTT moins Laplacien de U égale U5. Ah, il y a le premier comportement qui, quand on enlève le Laplacien. Donc c'est UTT égale U5. Alors ça c'est le comportement type ODE. Et donc la solution explicite c'est V de T égale, bon peu importe les constantes,
puissance 1/2. Alors, comme l'équation des ondes à vitesse propagation finie, on peut toujours, si on part de cette donnée initiale en t égale 0, on la coupe pour t assez grand, et le comportement au voisinage de 0, x égale 0, là, x égale 0, x égale module de x égale a, si a est grand, va pas interférer jusqu'en t égale 1. Donc ça c'est x. Et là si je mets t, voilà, donc j'aurai le comportement type ODE jusqu'en t égale 0, donc on a explosion de la norme, hein, car ça impliquera de facto que la norme 6, la L6, tendra vers l'infini, donc la norme énergétique tendra vers l'infini. Donc ça c'est le premier comportement. Donc c'est explosif, hein, donc il existe U0, U1, explosif. Alors, il y a un résultat. Oui ? Je voudrais comprendre précisément ce que vous dites ici. Donc, il y a une classe de conditions initiales telles qu'asymptotiquement, la solution au voisinage de x égale 0 va se comporter comme V de t, c'est ça ? Tout à fait. Alors, j'aurais dû faire un dessin en 3D. Donc, là, où faisons ça en 2D. Donc, je prends une solution constante sur un grand plateau, je la coupe, donc elle est dans mon espace où je résous l'équation. Alors, prenez comme condition constante. Pas conditions arbitraire. Arbitraire. Je vais rentrer dans les détails, hein. Je donne juste des exemples. Hein. Donc, et là, vitesse propagation finie, je reste égal au voisinage de 0 si A est grand, enfin si A est supérieur à 2, par exemple. Alors vous voyez que ma solution V de T explose en T égale 1. Et donc, j'aurai un comportement type ODE au voisinage. Et ça sera facile de démontrer qu'il y a explosion en T égale 1. En fait, c'est pas trivial. C'est la norme est 8, oui, tout à fait. C'est pas complètement évident, car en fait, on pourrait exploser avant, mais pour A grand, on peut démontrer ça. En fait, il y a une subtilité dans ce que je dis, mais je vais pas. Je fais des maths à la main, là, pour l'instant. Voilà. Alors, ça, c'est le premier comportement, et ça, c'est le comportement typique de ce qu'on va. Bien que ça ne soit pas un théorème actuellement, de explosion de type 1, c'est-à-dire explosion type où le terme non linéaire emporte sur la dispersion. On résout cette équation-là. Maintenant, il y a des termes comportement et non linéaire différents. Le plus simple, c'est W, qui est ma solution stationnaire. Là, si je prends ceci comme donnée initiale, U0 égale W et U1 égale 0, bah, je connais ma solution. Ma solution va ne pas bouger. C'est U de T égale W, donc en particulier, elle n'aura pas du tout un comportement linéaire à l'infini, quand T est en vers l'infini. Donc c'est un point stationnaire de mon flot. Donc c'est un comportement différent. Par contre, ceci, c'est un des comportements essentiels, hein, donc là-dessus. À cause de cet exemple-là. Maintenant, donc ça c'est ce qu'on appelle une bulle. Donc le but maintenant, ça va être de entre guillemets géométriser ce type d'équation. Et de démontrer que tous les comportements qui me restent à classer sont essentiellement des comportements de type géométrique reliés à cette solution particulière. Alors, l'exemple prototype. Alors, j'allais un peu trop vite. Je vais quand même préciser un théorème pour le type 1, là, pour ce type d'explosion. C'est Levin, 94.
démontre par une identité sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, qui, si l'énergie de la donnée initiale est négative, strictement, et U0 est dans L2, alors forcément T est fini. Donc il y a explosion en temps fini. Le terme non linéaire va finir par emporter. D'accord. Maintenant, nouveau théorème qui est dû à Krieger, Schlage, Tataru. Alors, si vous regardez les notes, je pense que vous avez toute la biographie qui est dans là-dessus. Je pourrais même vous donner à la fin du cours un survey plus général. Pour l'instant, je vais juste concentrer mon cours sur un seul exemple. Mais là, vous aurez une biographie absolument complète. Donc, en tout cas, ces notes du cours, donc là, vous avez un papier de Krieger, Schlage, Tataru, qui était paru à Inventioness ou à Duke, je ne m'en souviens plus. Enfin, il y en a deux, donc il y en a un qui est à Inventioness et l'autre à Duke. Et donc, il existe des solutions explosives. Alors, il existe données initiales U0, U1, telles que T égale T plus égale 1, c'est-à-dire la solution va exploser en 1, dans le sens où j'ai défini, norme L8. Donc la norme L8 est telle que U de T moins lambda puissance 1 demi, lambda qui va dépendre de T, lambda de va tendre, quand T tend vers le temps d'explosion, vers une solution que je vais dans l'espace d'énergie. Alors je vais juste l'écrire pour les solutions, pas pour les H point. Donc si vous soustrayez, alors vous pouvez faire plus ou moins, prenant U de T égale et moins U de T. Donc j'ai pris juste W. W c'est ma solution explicite là, qui est aussi reliée à la meilleure constante de l'inégalité de Sobolev, chose qu'on va bientôt utiliser. Et donc, alors voilà, essentiellement, à l'explosion, vous allez avoir la formation d'une bulle, là. Bon, prenons en x égale 0, plus une solution tout à fait régulière, Usta. Hein, tout ça dans l'espace d'énergie. Donc vous avez un phénomène de concentration sur une solution particulière, qui est solution de cette équation-là. Donc essentiellement, l'explosion est cette fois-ci non pas reliée à cette équation-là, mais très formellement, elle est reliée à des effets secondaires reliés à l'équation elliptique. Voilà. Donc vous avez une solution de l'équation dépendant de T qui est asymptotique à une branche de cette équation elliptique. Et donc mon lambda de T, j'ai oublié de préciser. Alors, comme on a explosion, donc ça veut dire sur lambda de T tend vers 0, donc lambda de T tend vers plus infini. Alors, ce que j'ai appelé ce type de blow-up, on l'a appelé par rapport à la nomenclature en géométrie, bien que ça ne soit pas 100% démontré que c'est une notion équivalente, mais en fait, dans l'espace critique, oui, c'est explosion de type 2. Alors, ceci est une explosion de type plus géométrique. Ceci est plus une explosion de type équation différentielle. Voilà. Maintenant, le but, ça va être de montrer que, en fait, dans ce cas-là, on a la réciproque. C'est-à-dire, toute solution, par exemple, qui est définie globalement, va se comporter comme une somme découplée de W. Je vais expliciter un peu plus ce phénomène.
Mais peut-être je vais faire une pause de 5 minutes. Pour voilà. Ça c'est ce résultat là, il est seulement dans le. Il est dans le cas radial. Il est dans le cas radial, tout à fait. Bon, alors on peut faire Lorentz là-dessus et faire un. Mais à Lorentz près, oui, c'est radial, tout à fait. Mais ce n'est pas lié forcément à la radialité. Sur d'autres problèmes, avec Pierre-Raphaël, on a construit des solutions non radiales qui explosent comme ça. Hein. Donc c'est juste que leur analyse a été faite dans le cadre radial, comme si une analyse constructive. On ne travaille pas du tout dans cet espace d'énergie. On travaille... On travaille à grande régularité. On a besoin de calculer beaucoup d'interactions, de calculer, etc. Et en particulier, ils travaillent dans des espaces très réguliers hein, pour construire ce genre de choses. C'est quoi? C'est H10, par exemple Enfin, ça serait bien que ça soit H10, mais en fait, c'est un nombre un peu qui existe et qui est fini, mais qui n'est pas H10. Je pense qu'on m'avait dit, pour l'équation de Schrödinger en dimension, il m'avait dit 16, ou qu'il pouvait descendre à 16, mais pour ceci, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont calculé le coefficient, le nombre qui sort exactement de leur démonstration. Est-ce que vous supposez qu'il y a une décroissance des données ? Où les données sont vraiment seulement régulières? Alors là, pour l'équation des ondes, le fait de la décroissance à l'infini ne joue pas, parce que c'est juste vitesse propagation finie, donc on n'a pas ce problème-là. Bon, faisons 5 minutes de repos. Ok. Alors maintenant, je vais reprendre le cours là, donc je vous ai explicité un peu mes buts, et maintenant je vais commencer à rentrer dans en quelque sorte la méthodologie, et je vais juste vous résumer une étape qu'on avait franchie avec Carlos Koenig et moi-même, il y a à peu près en 2006, voilà. Et je vais essentiellement vous résumer les étapes principales de cette partie-là pour me concentrer en fait sur la partie, cette partie-là, pour grandes données. Voilà. Mais on aura besoin bien sûr de cette théorie qu'on a développée et d'autres arguments. Voilà. Donc, la première partie... C'est ce qui a été appelé par la suite Ground State Conjecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que essentiellement, ce qui est vrai pour l'équation sous-critique reste vrai pour l'équation critique. Alors, c'est un peu vague. Alors, c'est relié à des résultats de Pale et Sattinger pour les équations sous-critiques. C'est la chose suivante. Donc, on a une théorie elliptique pour le problème. Alors, l'énergie, je l'ai effacée, mais je vais la réécrire. Donc, je me place toujours dans le cas focalisant. Donc, la partie énergétique juste dépendant de U de T. Et vous avez aussi une partie dépendant de ut carré, voilà. Hein, donc ceci, c'est e de u. On s'est conservé. Voilà. Vous allez... la chose suivante, c'est que c'est relié à pour l'équation variationnelle sous-critique à la méthode, ce qu'on appelle du col, ou la méthode qui a été développée par Rabinowitz et Kland dans les années 80 et même 70, et qui est la chose suivante. Si U de T, U0 est petit,
Alors vous avez en quelque sorte un sort de puits de potentiel autour de zéro. Et donc l'énergie est coercive au voisinage de zéro. Et vous avez un col pour la première solution ici, que je vais noter F0. Alors, maintenant, ça c'est le cadre sous critique. Et ce qui est classique pour l'équation des ondes sous critique, c'est que si vous partez dans cette cuvette, la norme reste bornée. Et comme vous pouvez résoudre, si la norme reste bornée, vous pouvez, en fait, ce qui est fou pour les équations critiques est vrai pour les équations sous critiques. Si la norme H1 reste bornée, alors la solution est définie globale. Bon, alors maintenant, on se place dans le cadre critique. Alors, essentiellement, on a presque la même chose dans l'espace d'énergie, donc je vais mettre W. Donc si, et je veux me placer à un niveau d'énergie inférieur à W. Donc, voilà. Donc si l'énergie de la donnée initiale est inférieure à l'énergie de W0, et je suis à l'intérieur de la cuvette, alors, tant que j'existe, alors je vais un peu préciser ça, je vais mettre U1 de T pour éviter des problèmes. Ceci reste borné et reste toujours inférieur à cette quantité-là. Donc je reste dans la cuvette. Par contre, je n'ai plus le résultat sous critique que si je suis borné, je suis défini globalement. Et donc, on imagine que la solution ne peut pas faire grand-chose d'autre que tendre faiblement vers zéro, ou une autre façon de dire, dans notre théorie, être global et avoir un comportement de scattering à l'infini. Maintenant, pour démontrer ça, on n'avait pas d'outils. C'est-à-dire la théorie qu'on apprend par la méthode type Strickhartz fait intervenir des constantes qui sont plus reliées aux constantes de Sobolev, mais aux constantes reliées à la norme de Strickhartz, qui n'est pas du tout la même. Enfin, vous avez... et donc, a priori, le théorème de petites données que j'ai ne va pas du tout jusqu'à ceci. Donc, par la théorie des équations, la théorie de Strickhartz, ce que j'appelle intégrale oscillante, vous avez juste que si la donnée initiale est inférieure à un certain delta, alors la solution est globale et plus scattering. Bon, alors le grand state conjecture, c'est de dire qu'en fait, par d'autres arguments que juste des méthodes de points fixes, on peut dire que ceci est vrai. Que the ground state, c'est de relier les théories intégrales oscillantes et les théories elliptiques par le... Voilà, donc si on est dans le puits de potentiel, alors je vais préciser un peu plus, donc c'est un théorème qu'on a démontré avec Carlos Kenny. Si on est dans le puits de potentiel, alors plusieurs choses peuvent se produire, soit on est à l'intérieur,
Alors, on peut pas être égal, parce que juste par les conditions de Sobolev. Bon, mais je vais préciser. Alors, j'ai ceci. Ceci reste vrai. Il faudra le démontrer, parce que du coup, c'est légèrement différent. Le piège est légèrement différent. Alors, on a U existe globalement. Plus 4i. Alors, juste par méthode énergétique, on verra que ceci est impossible. Et en fait, par un raffinement de la méthode de Levin, si on est de l'autre côté, on a explosion temps fini. Donc ça, c'est le théorème que je vais appeler peut-être 1. Voilà, qui est en 2008. Bon. Alors, je vais... Est-ce que ce théorème-là est équivalent si on rajoute le U1 carré au gradient U0 carré? Ah, oui, ben, l'un implique l'autre, hein, c'est-à-dire que si on met U1 carré... Dans le sens, mais dans l'autre sens. Ah, là. Oui. Non. D'accord. Hein, donc là, je l'ai vraiment écrit avec U0, mais il y a des petits soucis quand on rajoute U1 carré. Donc la dernière partie, l'explosion... Oui, il y a un petit problème à ce niveau-là. C'est un peu logique, hein, parce que on pourrait avoir un comportement proche du scattering. Non, là, il y a un petit souci. Mais telle que je l'ai écrit là, elle est correcte. Hein. J'ai essayé de l'écrire juste pour U, en fait. Hein. J'essaie toujours de travailler avec U dans mes résultats. Voilà. Alors, je vais peut-être expliciter un peu la méthode de démonstration, bien que c'est pas finalement ça va être assez peu relié à mon cours. Par contre, je vais d'abord vous écrire plusieurs résultats. Alors, par contre, hein, quelque chose qui sera vraiment utile pour la démonstration que je vais faire, hein, c'est en fait le théorème suivant. Qui est aussi en 2008. Qui est de moi-même et du Hertz. Alors, c'est de voir que la situation est plus compliquée que juste l'existence des solutions W. Alors, je vais me placer au niveau critique énergie. Voilà. Donc, je vais la première partie du théorème, c'est l'existence d'une solution W- et W+, et tout leur scaling, hein, parce que dès que je construis une solution, je peux utiliser mon invariance par scaling, telle que alors, excusez-moi, je vais prendre les mêmes notations que dans... Alors, c'est tel que W moins tend vers moins l'infini vers W. W moins scat quand T tend vers plus infini.
hein, et W moins en particulier est défini globalement. Donc il existe une solution qui converge fortement vers W quand T tend vers moins l'infini, hein, donc H1 point. Alors en fait c'est plus précis, c'est dans H1 point croix L2, si je regarde juste, mais là j'écris en simplifiant un peu les notations, juste avec les fonctions, non pas les dérivées. Elle se comporte de façon linéaire en plus infinie, donc elle relie essentiellement 0 à W. Et en fait, aux invariances de l'équation prise, le théorème fondamental, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Et W+, ça a le même comportement en moins l'infini. Ça tend vers W, mais W+, lui, explose en temps fini. Prenons T égale 0. Enfin, T égale 1. Donc, vous avez deux nouveaux types de solutions qui relient d'un côté W essentiellement à plus infini, d'ailleurs explosion en temps fini, et W à 0, c'est-à-dire scattering. Le scattering, c'est la solution qui s'aplatit, se comporte comme une équation linéaire. Et donc, voilà, localement en temps, les choses sont très différentes. Alors, et ce qu'on va voir, et qui est très important, c'est que W- et W+, sont des fonctions très importantes dans l'analyse qu'on va faire. Donc, les fonctions telles quelles. Donc, il y a trois fonctions qui vont intervenir, W, W+, W-. Alors, le théorème, maintenant, c'est que le théorème 1 se généralise à énergie 0, sauf dans ces cas-là, parce que ça, c'est des... alors, je vais préciser. Si alors, si j'ai ça, alors je suis défini globalement, U est défini globalement, il n'y a pas de raison que U soit défini globalement, hein, mais c'est donc une vraie démonstration de démontrer que c'est défini globalement. Et soit U de T scat, c'est-à-dire un comportement linéaire en plus quand T tend vers plus ou moins l'infini et plus et moins l'infini, donc comportement tend vers une solution linéaire différente en plus infini et en moins l'infini, ou soit aux invariances d'équation près, c'est-à-dire éventuellement en remplaçant T par moins T, hein, U de T est exactement égal à W moins. Parce qu'en effet, W- est dans cette configuration-là. Et donc, c'est scattering d'un côté et convergence vers W de l'autre. Donc, soit on a scattering en plus infini et en moins infini, donc c'est un comportement linéaire, soit on a W, là j'aurais dû inverser plutôt, soit on a W, quitte à inverser avec l'invariance de temps, T égale moins T, et linéaire, comportement linéaire. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a aucune autre possibilité. Maintenant, si on a égalité, c'est très facile de voir avec les inégalités de Sobolev que la seule possibilité, c'est U égale W, aux invariances de l'équation près, hein, donc translation en temps, scaling, ainsi de suite. Et si U0 est plus grand que W, alors soit U de T explose en temps fini
pour t positif et t négatif, les deux, ou alors, donc ça c'est les alternatives, soit U de t est exactement égal à W plus, ou aux invariances de l'équation près. Donc ça peut être, donc c'est scattering d'un côté, non, c'est, pardon, explosion d'un côté et convergence vers W de l'autre. Donc il est défini sur un, globalement, pour t positif ou t négatif. Hein. Mais c'est exactement égal à cette fonction. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc vous voyez que ces solutions particulières sont essentielles et en fait démontrer, certes, on aura besoin de démontrer certaines propriétés de solutions. En particulier, là, on démontrera que W+ est une solution de type 1. C'est l'explosion est de type 1. Bon, c'est un comportement. Explosion, en fait, de type 1. Voilà. Alors, donc, j'arrive... donc, ça, c'est la théorie, ce que j'appelle la théorie du... de type Grand State Conjecture, voilà. C'est relié de façon optimale. Alors tous ces théorèmes sont optimaux, hein. Vous pouvez voir théorème comme théorème, ce théorème-là. Donc c'est relié la théorie des intégrales oscillantes avec la théorie elliptique. Et en fait, l'étape suivante, c'est de travailler pour grandes données, et donc il y a deux théorèmes, et ça va être ceci l'objectif de mon cours. Donc je vais commencer peut-être par ici. Excusez-moi, quand le gradient de U0 carré est inférieur à un gradient de W carré, où on a donc scattering des deux côtés. Ce théorème ou ce théorème ? Lequel ? En haut ou en bas ? Celui d'en bas. Non, on a défini globalement, mais on n'a pas scattering des deux côtés. Soit on a scattering des... Alors c'est où ? Scattering des deux côtés, ou soit W exactement égal à W moins. C'est une alternative. De T égale W plus. W plus est dans ce cas-là, W moins est dans ce cas-là. Mais W- est essentiellement le seul contre-exemple au fait qu'on ne scatte pas pour T positif et T négatif. C'est une seule solution, le contre-exemple. Alors, je continue. D'accord ? Alors... Alors, le théorème suivant est en fait voilà. Bon, il y a une série de théorèmes. Qui est dû donc à... Maintenant, tous les théorèmes sont dus à moi-même, Carlos Kenny et Thomas Dukaerts. Ah, excusez-moi. Non, là... Donc ça, c'est le théorème de Krieger-Schack-Tataru. D'accord. Alors, je vais préciser... excusez-moi. Je vais quand même... Maintenant, on se place en dehors de ce cadre là et là. Donc, je vais préciser le théorème de Krieger-Schack-Tataru. Donc ça c'est Krieger-Schlag-Tataru 09. Donc ils construisent une solution radiale
Alors en fait, je précise, ce n'est, il le démontre pas, mais c'est plutôt une remarque en reprenant leur papier qu'on peut démontrer ce résultat-là. Il existe une solution radiale explosant en temps fini à t égale 1 de type 2 telle que donc le sup pour t compris entre 0 et 1 strictement, donc elle n'est pas définie en t égale 1, du gradient de u de t est inférieur ou égal à la norme de W plus eta 0. Alors, quel que soit eta 0, strictement positif, il existe une solution radiale dépendante de eta 0. Alors, comme vous voyez, on ne peut pas descendre à eta 0 égale 0. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Non, en fait, ce n'est pas inclus dans ceci. Tel que il existe V0, V1 dans l'espace d'énergie, lambda de t égale 1 moins t égale 1 plus nu, nu plus grand que 0, tel que U de t se comporte dans l'espace d'énergie comme la bulle zéro. Alors, je vais peut-être faire une grande parenthèse. Plus V0, V1. Et tout ceci tend vers zéro en l'espace en norme énergétique. Donc vous avez une bulle. Voilà. Donc j'ai inversé par rapport à ma notation précédente lambda en 1 sur lambda. Voilà. Donc ceci est bien comme 1 sur lambda va tendre vers plus infini. Et là, ce lambda va tendre vers zéro. Et ça se comporte sous cette forme-là. C'est une bulle plus une sorte de background fixe au temps d'explosion. Donc ils ont construit une telle solution. Et la construction est faite de telle façon qu'on peut, c'est ça qu'on a juste remarqué, il faut juste suivre les calculs qu'on peut faire ça pour tout état zéro. Strictement positif. Voilà. Donc on peut trouver une solution qui forme une bulle et qui n'est pas très grande en fait, hein, qui est juste un peu plus grande que tout ça. Quoi. Donc l'énergie dépasse légèrement. Alors, comme elle ne rentre pas dans cette configuration-là, on sait de facto que l'énergie de cette solution est plus grande que l'énergie de W. Sinon, ça rentrerait dans ce cadre-là. D'accord. Donc, pour fixer les idées, l'énergie de cette donnée initiale est quelque chose comme énergie de W plus quelque chose strictement positif et de type état zéro. Enfin, de petit, donc. Petit. Donc, on manque juste ce cadre-là. Ce cadre-là. Et donc là, du coup, on a une... On a une explosion de type différent. Voilà. Avec une formation de bulles. Alors... Donc ça, c'était le résultat de Krieger-Schall et Tataru. Alors, il y a eu un théorème préliminaire à notre théorème de classification sur lequel, qui dit essentiellement, dans ce cadre-là,
si on suppose ça, on a automatiquement ce résultat. C'est la réciproque qui est vraie. Maintenant, supposons qu'on ait une... Donc, théorème du Kurt Kenning-Merle. Enfin, en radial, c'est 2011 et en non radial, c'est 2012. Mais je ne vais peut-être pas écrire le résultat non radial. Et donc, si U est radial, et que on a bien état 0 avec état 0 petit, alors bon, je vais tout je et que t plus est fini. Je vais le prendre égal à 1. Pardon. Alors, ben la réciproque est vraie. U de t, il existe V0, V1. Il existe lambda de t, tel que U de t. Moins, donc, je vais prendre une bulle, lambda de t, qui est maintenant une inconnue de notre... problème. Alors, j'ouvre la parenthèse, plus V0, plus V1, en norme H1 point, 3 L2, tend vers 0, quand T tend vers le temps d'explosion. Donc en fait la réciproque est vraie, c'est-à-dire donc la seule différence c'est que je n'ai pas précisé le lambda de t. Voilà. Donc si on a explosion, alors voilà, c'était le premier signe sérieux comme quoi on pouvait espérer démontrer par la théorie critique le résultat qu'on cherchait. Et je vais finir. Cette série de théorèmes, donc par le théorème qu'on voulait réellement démontrer, et c'est donc la peut-être je vais peut-être ici. Alors, je vous rappelle, dans les notes que j'ai précisées sur le site web où j'ai écrit, il y a beaucoup plus de détails. Hein. Donc, en particulier... Pardon ? Non, alors, ceci, on peut toujours démontrer dans ce résultat-là que lambda de t sur 1 moins t tend vers 0, quand t tend vers 1. Donc, c'est forcément quelque chose de plus rapide. Alors, c'est juste un cas critique, en fait, mais le fait que, en fait, non, la norme de Stricard serait toujours égale à plus infini, donc il faudrait que ça soit égal à 1 moins t puissance 1 moins un nombre positif. Donc 1, un peu une puissance légèrement inférieure à 1. Mais on peut démontrer, par un autre argument, que ceci doit être plus rapide
que à moitié. C'est la vitesse du son, hein, de l'équation pour l'équation des ondes. A priori, c'est pas trivial, tout à fait. Oui. Mais je ne voulais pas rentrer dans, pour l'instant, dans tout ceci. Donc, je vais vous donner l'énoncé principal, qui est la chose suivante. Alors, l'énoncé, a priori, on le cherche dans le cadre non radial, mais c'est beaucoup plus complexe. Car, en fait, notre objectif, c'est des théorèmes de classification. Et la seule façon qu'on arrive à comprendre ces classifications, c'est quand tout est très petit, c'est-à-dire à l'infini. Et à l'infini, on essaie de démontrer que les solutions n'ont pas des comportements comme l'équation des ondes linéaires, mais comme l'équation elliptique. En particulier, on doit avoir une compréhension complète des théorèmes de classification pour l'équation elliptique. On doit utiliser ceci. Alors, ceux-ci sont très simples dans le cas radial, mais dans le cadre non radial, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ceci que, en fait, le résultat que je vais vous donner est dans le cas radial, U radial. Par contre, on sait tout dire dans le cadre non radial, dans le cadre radial. Donc, il n'y a que trois possibilités. Donc, je considère une donnée initiale U0, U1, de taille quelconque. Quelle que soit la taille, ben, la première possibilité, c'est qu'il y a explosion et je regarde la solution pour t positif. Je peux faire la même chose pour t négatif, mais là, c'est type 1. C'est-à-dire, t plus est fini et la limite quand t tend vers T+, c'est-à-dire que je retrouve le cadre sous-critique de la norme énergétique tend vers plus infini. Deux I. Alors, les deux I et trois I sont similaires. Il n'y a que le temps qui joue un rôle différent. Donc, soit T+ est fini. Et alors, l'explosion va être de type géométrique, c'est-à-dire il existe V0, V1, donc radial, hein, H1 croix L2. Il existe un nombre de bulles strictement positif, c'est-à-dire J ne peut pas être égal à 0. Et des nombres ij égaux soit à 1 ou moins 1, tels que il existe des concentrations dépendantes de T ordonnées vivant à des échelles différentes au voisinage de l'explosion grand J cette fois-ci et ceci aussi inférieur à t plus moins t. Tel que U de t moins, j'ouvre la collade. Alors je vais toujours écrire, je peux écrire V0, V1 d'abord, plus une somme de J égale 1 à grand J
Alors, petit j, donc les signes, plus ou moins, lambda j de t puissance 1/2, w de x sur lambda j de t. Zéro. Je ferme la norme, H1, croix L2, tend vers 0. Quand T tend vers T plus. Et donc à l'explosion, qu'est-ce qu'on a? Je vais simplifier, je vais prendre, prenons J égale 2. Donc, quel est le comportement de U de T? J'ai un, premièrement une solution background. J'ai un premier soliton, là, et en fait, peut-être, j'en aurai un autre plus concentré, donc ces échelles sont différentes. Donc chacun prend un paquet d'énergie fixe, hein, l'énergie des solitons ne dépend pas de lambda, l'énergie est totalement un invariant du mouvement, donc c'est invariant par le changement d'échelle. Donc j'ai un paquet d'énergie vivant à lambda 2 de t, là c'est lambda 1 de t, voilà. Et j'ai des profils explicites, c'est mes profils W, c'est les solutions de l'équation elliptique. Voilà. Donc, on décompose la solution dans l'espace d'énergie comme... essentiellement, les solutions linéaires, quand T est proche d'une constante, c'est juste une donnée initiale, plus des bulles. Alors maintenant, l'équivalent en T égale plus infini, qui correspond vraiment à la... Ça, c'est un ersatz de la démonstration, donc mais le comportement qu'on cherchait, nous, c'était quand la solution est définie globalement, ben, c'est le même. C'est que en fait, troisième possibilité, maintenant si t plus égale plus infini, alors j'ai exactement le même résultat, donc il existe V0, V1. Il existe J, mais qui peut être égal à 0, donc ça inclut le scattering en particulier, tel que U de T moins... Alors maintenant, c'est la solution linéaire, qui part de V0, V1, plus une somme de bulles avec certains signes, alors, je vais mettre 0 dans l'espace d'énergie. Il n'y a pas d'autre temps vers 0 quand t tend vers plus infini. Donc il existe J, et en particulier J est fini. Ce n'est pas quelque chose d'évident, a priori. Il existe J fini, tel qu'on est ça. Et alors attendez, je vais tout de suite... et en fait, on peut avoir une estimation de J en fonction de l'énergie de la donnée initiale. Et dans ce cas-là, c'est juste... on a les lambda J qui vivent à nouveau dans des échelles différentes. Et cette fois-ci, c'est négligeable devant T, hein, et T tend vers plus infini dans ce cas-là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la somme d'une solution linéaire. Alors, les solutions linéaires en dimension 3 ont la propriété de se disperser en dehors d'un certain cône.
Voilà. Bon, c'est des paquets d'énergie de ce côté-là. Et vous avez un W qui vit à une certaine... donc très loin de T. Ça, c'est X égale T, là. Donc, qui vit à un certain lambda de T, lambda 2, et un, par exemple, un plus concentré lambda 1 de T. Là. Donc ça, c'est des échelles différentes. Quand T est en plus infini. Donc en particulier, vous avez une solution linéaire plus une somme de bulles qui vivent à des échelles différentes. Alors, juste une petite remarque après coup. Le J peut être contrôlé par l'énergie. Et donc mettre une remarque ici. Comme l'énergie d'une solution linéaire est positive, car une solution, le terme L6, juste par des estimations assez simples, hein, pour une solution linéaire tend vers zéro, donc l'énergie d'une solution linéaire est toujours strictement positive. Enfin, sauf si elle est nulle, hein, bien sûr. Voilà. Alors, ça, excusez-moi. Ça, c'est dans le cas t plus égale plus infini. Car dans le cas t fini, le background peut avoir une énergie négative, mais là, dans ce comportement-là, j'ai J qui est, voilà, qui est contre. J'ai ces propriétés-là. Ah, pardon. Non. Excusez-moi, j'ai confondu L et J dans mes notations. Et donc, j'ai J est inférieur ou égal à énergie voilà. Donc pour avoir des multi-solitons, c'est-à-dire plusieurs bulles, il faut prendre des énergies de plus en plus grandes, hein? Donc ça, c'est une remarque, hein? Une remarque. Dans le cas global, voilà. Alors, je vais... donner... dans la suite, les éléments de... essentiellement pour avoir une démonstration à peu près complète de ce résultat-là. Et les premiers théorèmes, je donnerai juste des éléments pas détaillés, car c'est le voilà. Je me concentrerai sur ce résultat-là. Donc en fait, on a réussi dans le cas radial, dans un cadre purement non linéaire, à relier l'équation dispersive à essentiellement au problème stationnaire, aux équations linéaires près. Voilà. Et donc c'était un peu le but qu'on s'était fixé initialement. Alors donc c'est le premier cas concret où on peut démontrer ça dans un cadre non intégrable. Alors je vais faire une autre remarque. Voilà. C'est dans le cas intégrable et dans le seul cas où vraiment c'est connu, c'est dans ce cas-là. Alors, pour des données initiales, cette fois-ci régulières et à décroissance rapide, pour limiter le fait que le nombre de solitons est fini, en fait, le fait que le nombre de solitons peut croître semble un problème essentiel dans tout ça. Et donc, on doit isoler par certaines conditions, soit dans l'espace, ou soit... Voilà, donc en particulier dans le cas dit intégrable,
là, qui est l'équation de KdV classique. Donc si U0, il y a décroissance rapide. Donc les solutions sont définies toujours globalement. Décroissance rapide plus régularité. Alors, on peut faire des transformations non linéaires sur cette équation pour se ramener à une équation linéaire, en fait, pour l'étude, à l'étude d'une équation linéaire. Et donc, il y a ce qu'on appelle les paires de l'axe, qui se ramènent à certains invariants du mouvement, qui sont les valeurs propres d'un problème relié à la fonction. Et ces valeurs propres sont reliées au nombre de solutons, en fait, tout simplement. Et on peut démontrer ce théorème. Alors, il y a l'équivalent des solitons pour ça. Donc, c'est des solutions particulières sous la forme x, q, c moins ct. Et on peut démontrer ce type de résultat pour x inférieur, supérieur à alpha t, dans cette zone-là. Donc, dans une zone un peu en dehors de l'influence de l'équation linéaire. L'équation linéaire pour l'équation de KdV a tendance à pousser la masse vers la gauche quand t est positif. Et donc là, on s'écarte de l'influence de l'équation linéaire, on s'aperçoit que la solution, alors, dans l'espace d'énergie, hein, pas dans l'espace où on travaille, mais dans l'espace juste d'énergie, se décompose comme une somme finie de solitons. Voilà, et ça c'était le cas qui était connu précédemment. Hein. Ça a été, donc c'est plusieurs personnes qui sont intervenues, mais ça a été clarifié par. Alors, tout ça c'est dans les notes. Voilà. Je me souviens plus des noms. Et que c'est chaud, voilà. Et que c'est chaud. Voilà, tout à fait. Mais en fait, ça préexistait de façon formelle avant, en fait. Hein, mais ils ont justifié de façon rigoureuse, mathématiquement, dans des espaces très réguliers, ce fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je me rends compte que j'avance. On va prendre notre temps. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, on s'attend à quoi si, par exemple, pour les blow-up de type 1, on s'attend à quoi? Alors, type 1, par définition, c'est la norme qui tend vers l'infini et ce n'est pas démontré, c'est que c'est plutôt un type blow-up de type ODE. Mais on sait, c'est encore un problème ouvert. Et est-ce qu'on s'attend à ce que ces ground states interviennent pour les blow-up de type 1? On s'attend à ce que la patience soit négligeable. Voilà, négligeable par rapport au terme non linéaire. Et donc c'est plutôt une explosion de type sous-critique. Mais ce n'est pas démontré rigoureusement. Est-ce que tu vas faire une maintenance? Ah oui, mais ça c'est pour l'équation de la chaleur. Ça. Oui, mais il y a un histoire de... Ah oui, oui, ben, en fait il y a des correspondances, tout à fait, oui. Tout à fait. En fait, il y a toute une série de problèmes. Donc là, ce que je présente, c'est des résultats pour l'équation des ondes. Maintenant, il y a aussi l'équation de la chaleur critique. Et il y a toute une série. Alors, comme il y a un effet parabolique, il y a plus de choses qui ont été démontrées, qui préexistent. En particulier. Et donc, il y aurait un ajustement à faire, en quelque sorte. Donc, tout à fait. Il y a des choses qui sont impliquées par ce genre de méthode, qui n'ont pas été faites. Et il y a des choses qui ont été faites pour la chaleur, qui ne sont pas connues pour ceci, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut en dire plus sur les lambda 1t et lambda 2t? Ah bah, est-ce que par exemple, il y a
on peut s'attendre à ce que quelques lambda s'approchent de constante, par exemple. Ah, alors il y a un cas qui a été construit avec un soliton. Alors attendez, je réfléchis. Constante non nulle, c'est ça ou... Je pense, oui, constante non nulle. Constante non nulle, oui, tout à fait. A priori, il semblerait qu'il n'y ait aucune contradiction. Mais là, il y a vraiment un problème de construction. C'est-à-dire que là, on a avancé dans la classification. Maintenant, il faut comprendre. Et on a les objets, mais maintenant il faut comprendre le système dynamique dimension finie qui est relié à lambda 1, lambda 2, lambda j. Et donc là, il n'y a pas de classification de ce système dynamique. Donc on est pour l'instant sur des problèmes comme ça. C'est pas clair qu'il y a d'autres conditions, ou si même si lambda 1 et lambda 2, il n'y a que deux les régimes possibles sont explicites, complètement classifiables ou pas. Je dirais que la classification complète au niveau maintenant du système dimension finie lambda 1, lambda j n'est pas faite. Ah, c'est forcément très difficile parce que déjà, c'est, de toute façon, c'est même pas fait en parabolique. Le sous-produit de vos papiers, c'est uniquement négligeable. C'est négligeable. Il n'y a rien de qualitatif. Bon, c'est-à-dire que dès qu'on commence, on a la machine pour améliorer certaines choses, mais on n'a pas le point de le point de départ est là, mais on peut pas pousser beaucoup plus loin. Surtout que en fait, on s'aperçoit quand même l'air de rien que dans ce cas-là, dès que on a une puissance 1 plus lambda, on a des solutions. Bon, c'est il y a de la marge. Hein. Mais en effet, il n'y a pas de... Là, il y a vraiment toute une partie à défricher. Donc c'est les points de départ, mais maintenant on est réduit à un système dynamique dimension finie. Oui, tout ce qu'on sait, c'est que le reste epsilon va être petit dans les interactions, mais on ne sait pas aussi petit que l'on... à quelle taille. Et donc on ne peut pas justifier que le système dynamique des lambda 1, lambda j est justifiable. Et donc on ne peut pas classifier leur comportement. Mais ça c'est voilà, ça c'est dans les problèmes pour les années futures. Oui, juste ce que je voulais dire, les gens parlaient beaucoup du parabolique. En fait, à ce niveau-là, tous les résultats paraboliques, on n'est pas plus avancé en parabolique qu'en hyperbolique. C'est qu'il n'y a pas de terrain. En parabolique, il n'y a aucun terrain de classification. On a ce type de résultat. On n'a pas. Enfin, je ne sais pas, je ne connais rien. Est-ce qu'on a aussi un analogue de cette espèce de conjecture des solitons pour le. Alors. En fait, hein, donc j'ai un résultat avec Matano qui démontre ceci dans le cas parabolique, mais qui n'est pas encore fini d'être écrit. Voilà. Où on pousse un peu plus loin, là, mais à nouveau, les lambda-i, on ne sait pas démontrer leur taille. Mais là, je crois qu'on a avancé la théorie. Le plus loin qu'on pouvait, on a rattrapé le parabolique, essentiellement le parabolique est au même niveau. Aussi, le parabolique n'a pas du tout utilisé ces notions d'espace critique, et en fait, même ces résultats-là, tels quels, n'étaient pas connus. Bon, après, une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est pas non plus difficile de le démontrer, mais voilà. Voilà, donc c'est le point de vue qui a changé, et en fait, donc on a poussé un peu plus loin les choses, et bon, voilà, c'est un peu ça. Très bien, alors, je crois que
Là, donc vous avez ces, ces notes où il y a toutes les références, et en particulier là. Moi, je vais suivre une version plus allégée de ces notes. Donc je vais pas... Parce que là, il y a plus de choses démontrées, etc. Donc je m'intéresse à démontrer, disons, un résultat fort et marquant. Dans ces notes-là, il y a un peu toute la théorie qui est exposée. Voilà. Il y a un peu, donc c'est un peu le... Ça correspond plus au double de mon cours. Voilà. Donc, c'est pas, donc il suffit de... Pas besoin de tout lire. Mais il y a, par exemple, toutes les références ad hoc. Bon.